Salut à tous et à toutes, et nous revoici sur le channel Spirit of Fin pour une vidéo cette fois-ci de Dark Souls 2. Alors Dark Souls 2 que j'avais promis à certaines personnes de refaire un peu une vidéo dessus. Eh bien nous y voici. Alors je vous avoue que j'ai déjà bien avancé quand même sur ce jeu. Et que là j'y reprends après un bon bout de temps, donc bon on va bien voir ce que ça donne. J'ai quelques problèmes au niveau des touches, mais là je pense qu'on va réussir à très vite trouver une solution pour arranger ça. Alors il faut savoir que Dark Souls 2, qui fait partie de la série du coup des Dark Souls 1 et du Bloodborne qui vient de sortir sur PS4, et fait partie des jeux qui sont les plus durs à jouer, au niveau surtout de la difficulté, puisqu'il y a beaucoup d'esquives à faire, Salut. il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de combos à savoir enchaîner, il y a beaucoup de choses à comprendre et surtout les boss à savoir gérer dès le départ. Alors on va essayer, je pense qu'on va essayer tout bêtement de commencer avec de petites bestioles. Alors je pense que ça c'est le chemin de départ, il me semble que ça c'était le chemin de départ. Alors on va essayer d'y retourner histoire de se refaire la main un peu. Je sais que j'ai quelques sorts, donc apparemment je peux changer les sorts avec la molette. Donc tout à l'heure pas trop mal. Les sorts sont adaptés bien entendu à l'équipement qu'on a, c'est-à-dire que si on n'a pas de bâton ou si on n'a pas de sceptre, par exemple on n'a pas de bâton, on peut pas lancer d'arcane ou de sort de magie noire. Et si on n'a pas de sceptre, ben on peut rien lancer de ce qui est magie de soin ou autre. Donc allez, c'est parti. Si je me souviens bien du passage, ça devrait s'ouvrir. On devrait se retrouver avec quelques petits bonhommes. Je crois même que je peux poser. Voilà, c'est un jeu qui se joue beaucoup sur l'entraide. Et je peux poser une marque au sol. Donc là, ça à ma stèle, comme on peut le voir, la stèle de marque blanche. Et qui me permet d'aller aider les autres joueurs. Mais pas que, il me permet aussi de redevenir humain. Ça se voit pas, peut-être pas très bien, mais je suis un peu un cadavre. Et tant que je suis un cadavre, ben, les ennemis d'autres joueurs peuvent intervenir dans mon monde. Et de préférence, généralement, c'est pour venir me buter. Alors j'ai peur que, dû au fait que j'ai déjà fait cette partie plein de fois, il y a peut-être en fait pas d'ennemis. Et voilà. On va être bloqué, pas d'ennemis, personne à combattre. Ah si, en voilà. Mince. Alors comment? Oh là là. Oula. En sachant que c'est pas le moment de mourir. Ah voilà. Il faut esquiver, taper peut-être. Hop, voilà. Un petit sort. Ah, ok. Je suppose que il faudrait peut-être cibler. Ah. Oh. Pas le moment de mourir. Je me souviens plus exactement comment on fait. Oh là là, je vais me faire tirer dessus. Utiliser des gemmes de vie. Merci. Alors, réfléchissons. Comment que ça marche? Pourtant, j'ai passé un bon bout de temps dessus. Voilà. Ça c'est bon. On va essayer de lancer un autre sort en changeant d'arme. Alors, il est où mon... T'es où? Ok, une lance. Et un sceptre. Et là, une épée. Allez, on va essayer de se combattre directement à l'épée. Non, ça c'est un sceptre. La pierre. Allez, c'est parti. Chargez! Je crois qu'on peut protéger. Taper. Aïe. Et taper. Alors oui, heureusement que je retourne pas directement me friter contre les messieurs, parce que sinon je pense que j'aurais 2-3 petits soucis là. Alors ça c'est des messages qu'on peut laisser aux autres joueurs pour leur dire ce qui va se passer, genre par exemple là, faites attention aux cadavres. Alors c'est des messages préenregistrés, c'est-à-dire qu'on a des phrases préfaites. Mais généralement ça aide beaucoup. Et les messages qui restent, c'est ceux qui ont été votés comme étant les meilleurs. Bah, les meilleurs votes, les meilleurs avertissements ou
ce qui a été la meilleure chose à dire à ce moment-là. Et des fois, ça sauve la vie. Rien que le fait de lire ces messages-là, ça nous permet d'éviter de tomber dans un piège ou d'éviter tout bêtement de tomber sur une embuscade ou sur un boss que quasiment impossible à se faire. Ah, voilà du monde. Je crois que ce passage, j'ai eu beaucoup de mal à me le faire. Hop, du temps où je l'ai fait. Parce qu'il faut pas être trop bourrin. Hop. Et il faut pas vouloir trop en faire. Ça peut très mal finir. Alors comme vous voyez, je récupère des âmes aussi. Les âmes sur les ennemis que je tue et qui sert de monnaie. Sert de monnaie. Et la grosse difficulté du coup de Dark Souls par rapport à ça, c'est que si vous mourez, vous laissez échapper toutes vos âmes. Et soit vous réussissez à récupérer votre tache de sang qui vous permet de récupérer toutes vos âmes. Soit vous remourez et là, bah, la dernière tache de sang disparaît. Et du coup, aucune possibilité de récupérer tout son argent. Alors quand au tout début on se dit bon mais ça va c'est quand même assez facile. Mais passer un certain niveau, quand on commence à avoir besoin de beaucoup d'âmes pour faire évoluer nos sorts et pour acheter des nouvelles armes, là j'avoue ça commence à devenir compliqué. Ouais. Donc sur cette vidéo, je pense que je vais faire juste un aperçu du gameplay pour éviter de mourir comme une merde. Je pense que je vais rester sur un aperçu. Voilà. Du gameplay. Non! Oh, et voilà. Et à mon avis, il faudra que je me rentraîne peut-être un peu, hein, histoire de faire une vidéo qui soit un peu plus intéressante. Mais là, ça donne quand même la globalité au niveau du jeu, avec le gameplay, la visibilité, le type de monstre qu'on peut rencontrer. Voilà, à savoir que là, je sais pas si vous le voyez, en bas à droite de mon écran, il y avait des âmes qui étaient à plus de 6000 et qui se retrouvent à 0. Donc c'est-à-dire que là j'ai plus d'argent et en plus de ça, si j'étais humain, je me retransforme en cadavre. C'est-à-dire que les gens peuvent venir à nouveau entrer dans mon monde. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Puisque là, eux aussi, par contre, ils veulent vos âmes. Et en plus de vouloir vos âmes, ils peuvent venir récupérer bah, du stuff, ils peuvent venir récupérer de tout, de tout. Un conseil, ne jamais rester en mode cadavre. Et je pense que c'est un bon conseil. Ah! Et voilà, ça m'apprendra à parler. Allez, on y retourne. Ah, pareil, au niveau des équipements, je sais pas si vous avez vu, je suis équipé de toge, mais je crois que je m'étais équipé de ce temps-là pour mage, parce que j'ai beaucoup de sorts. Mais il y a aussi beaucoup de grosses armures, de. Il n'y a pas que du tissu, hein. C'est vous vraiment qui choisissez. Vous pouvez faire un mage qui est au ben c'est un mage avec des armures de plate ou des armures de cuir, mais c'est beaucoup moins intéressant puisque vous allez vous déplacer beaucoup moins vite. Enfin, comme vous pouvez le voir là, mon personnage court quand même assez vite. Alors ça paraît pas logique comme ça quand on le voit pour la première fois, mais mon personnage court vite. Mais alors qu'avec une armure de plate, je vous jure que vous n'en savez pas. Personne qui avance. Alors, est-ce qu'il va se relever lui si je passe? Oui, c'est bon. Allez. Mince. Ah. Allez, arrête ça. Comment ça se passe là? Voilà. Allez. Pareil, toutes les armes, elles ont des significations. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, là une rapière, elle fait beaucoup d'attaques rapides. Si vous prenez une masse des attaques lentes, une hache qui fait des attaques plus puissantes mais aussi très lentes, et il faut savoir s'habituer aussi à tous les styles d'attaque, des stocks, de défense, de façon à éviter de se faire éclater facilement et surtout à s'adapter à son style de jeu encore une fois. Là, vous voyez, hop, les stocks, elle est super intéressante contre des ennemis qui sont plus ou moins rapides. Mais là. Je vais commencer à prendre un peu cher. Si on veut éviter... Ouais, voilà!
Hop. Voilà, ouais, je comprends pas trop. Je comprends plus trop le délire. Ok. Bon, il veut pas tout le temps attaquer. On va essayer pour commencer à changer d'arme. Ok. Si on veut pas mourir comme une merde. Aïe, aïe. On peut se faire transpercer aussi, hein. Il y a des ennemis qui transpercent et que ça peut être très très violent. Alors là, je vais essayer de pas me faire tuer. C'est des gens de mise à mort, hein. Quand on se fait transpercer, on est mis au sol après et il reste plus qu'à se faire achever de toute façon, hein. Allez, avançons maintenant que je sais qu'il y a du monde. Vous voyez? Là. Aïe. Aïe. Voilà, de préférence, on va réussir à le tuer. Voilà, une fois que j'ai tué, là, vous voyez, c'est ma marque. Il n'y a plus qu'à aller dessus, toucher votre trace de sang, et je récupère les 6000 âmes, non, non, non. 5000 âmes que j'avais. Alors, je sais ce que vous allez me dire. C'est assez chiant. Et oui, je vous l'accorde, c'est assez chiant. De toujours devoir revenir en arrière. Toujours devoir repasser tout. Parce que forcément, les monstres. Alors là, ça, c'est un avantage quand les monstres sont toujours, toujours au même endroit. Donc une fois que vous êtes passé une fois, vous savez que vous êtes toujours les mêmes monstres. Après, ils ont peut-être pas forcément tous les mêmes attaques. Mais globalement, vous savez à quoi vous attendre. Vous savez comment esquiver. On sait comment. On sait comment passer. Il y a surtout aussi beaucoup de retour en arrière. Là, vous voyez, là, je vais être obligé de retourner en arrière pour récupérer. Un feu de camp, parce que les feux de camp, il faut les allumer, et c'est des genres de checkpoints, c'est-à-dire c'est les seuls endroits où vous pouvez espérer sauvegarder, et surtout, bah, où vous pouvez vous déplacer. C'est ici que tout se passe, hein. C'est-à-dire on a le voyage, on place les sorts, la boîte à objets, il y a vraiment tout, tout, tout à notre feu. Enfin voilà. Bon, c'était une courte, mais bonne présentation, je pense, de Dark Souls 2. On se revoit quand je serai peut-être un peu meilleur dessus. Une fois que j'aurai recompris comment fonctionnent un peu toutes les tous les combos et tous les systèmes d'armes. Et bah, je vous dis à très bientôt alors sur la chaîne Spirit of Feed. Allez, ciao.